Eh bien salut à tous, j'espère vraiment que vous allez tous très bien, en tout cas pour ma part ça va vraiment nickel. Et écoutez, aujourd'hui les gens, on se trouve pour un nouveau tutoriel sur Minecraft. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un trampoline sur Minecraft. Donc je viens de découvrir ça, c'est vraiment un truc de ouf, vous verrez. Donc juste avant que la vidéo commence, je t'invite à lâcher un énorme pouce bleu sur cette vidéo et à t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Voilà, donc sans plus attendre, commençons. Allez, bon visionnage. Donc pour faire ce trampoline, ou plutôt ce canon humain, parce que vous verrez c'est vraiment un canon humain, c'est même plus un trampoline. Vous aurez besoin de glowstone, de bedrock, de redstone, d'une TNT. Enfin, de plusieurs TNT, d'un seau d'eau et d'un levier. Vous allez creuser, vous allez faire un carré de 3. Voilà. Et ce carré, vous allez le remplir d'eau. Voilà, donc une fois qu'il a rempli, eh ben, vous allez mettre un levier ici. Et vous allez faire tout le tour de ce carré avec de la redstone. Voilà, ça devrait noter ça. Après, vous allez vous mettre là, vous allez mettre au milieu, voilà, comme ça. Vous allez mettre de la glowstone. Vous allez ensuite mettre de la redstone sur la glowstone. Vous allez mettre une glowstone ici. Vous allez mettre de la redstone là. Voilà, donc ça devrait donner ça. Après, vous prenez de la bedrock et vous en mettez au-dessus de la redstone. Voilà, donc ça devrait donner ça. Voilà, normalement il y a la redstone là et tout et tout et tout. Vous allez prendre la redstone et vous allez faire pareil qu'en bas. Vous allez le carré, vous allez simplement le mettre, enfin vous allez mettre de la redstone sur le carré qu'on vient de faire. Voilà, donc voilà, c'est fait. Après vous allez non, attendez, vous allez prendre la glowstone et vous allez mettre sur, comme ça là, voilà, comme ça, vous allez prendre la redstone, tac, vous allez replacer une glowstone ici, voilà, et vous allez prendre la redstone et là. Après, pareil que tout à l'heure, vous allez mettre la bedrock sur la redstone pour faire un deuxième étage. Voilà, et là comme tout à l'heure vous allez mettre la redstone sur la bedrock. Donc voilà, donc normalement si tout se passe bien, si on appuie sur le levier, tout voilà, tout est allumé. Voilà, donc si tout est allumé, c'est bon. Après, donc là on va placer on va mettre les TNT. Donc vous allez mettre des TNT comme ceci. Regardez bien. Vous allez mettre tout le, vous allez remplir tout le carré sauf au milieu. Voilà, ça devrait donner ça. Après, pareil pour le deuxième étage. Et pareil pour le deuxième étage. Voilà, donc ça devrait donner ça. À chaque étage, c'est rempli TNT sauf au milieu. Donc là, ben voilà. Là, c'est terminé. Donc vous êtes prêts à voir parce que c'est vraiment incroyable, ça saute vraiment haut, on dirait pas, mais vous allez être impressionné. Donc vous mettez dans le trou, comme ça, voilà, vous êtes en bas, et vous avez juste appuyé sur le levier, et là regardez bien, je vous laisse attendre. Regardez comme ça va haut, on passe au-dessus des nuages, c'est vraiment, ça va vraiment haut, j'étais vraiment impressionné quand j'ai vu ça, vraiment j'ai jamais vu ça, ça va... super mais super haut. Voilà, donc c'est même plus un trampoline comme je le disais, c'est un canon à humain. Voilà, donc voilà les gens, j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu et puis voilà, en tout cas pour quand j'ai vu ça j'étais vraiment impressionné, j'espère pour vous aussi que vous serez impressionné. En tout cas moi ça m'a vraiment impressionné, j'ai jamais vu ça de ma vie, ça va super haut, on traverse les nuages, c'est vraiment un truc de ouf. Donc voilà. Et bien voilà les gens, la vidéo est finie. J'espère vraiment qu'elle t'aura plu. Si c'est clair, tu peux lâcher un énorme pouce bleu sur cette vidéo. Tu peux partager la vidéo sur tes réseaux sociaux ou à tes amis. Commente ta vidéo dans l'espace commentaire et écris des questions pour que j'y réponde. Et surtout, surtout, abonne-toi. Donc voilà les gens, donc je vous laisse et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.